Nous sommes les premières victimes des violences sexuelles, mais nous sommes la clé pour la paix. Nous voyons des femmes qui nous arrivent complètement détruites. Elles n'ont plus de visage, elles n'ont plus le sourire, elles n'ont plus d'espoir. Mais quand on les accompagne, elles arrivent à reprendre la vie et même à aller mobiliser les autres femmes à venir dénoncer. Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces femmes, il faut qu'on porte leur voix pour qu'elles arrivent à accéder à la justice, mais aussi aux services. Je ne voudrais pas que mes petits-enfants puissent grandir aussi dans le même contexte d'un pays où toutes les femmes sont à risque de violences sexuelles. Je veux avoir un pays où les femmes peuvent être aussi en sécurité, peuvent jouir de leurs droits au même titre que les hommes. Il faut nécessairement qu'on travaille pour promouvoir la paix. Il faut qu'on travaille pour promouvoir plus de femmes dans la politique, dans les processus de médiation, qu'on forme les médiatrices, mais aussi qu'on donne une place pour les soins mentaux, pour les activistes, mais aussi pour les victimes, les survivants.